À la découverte de Madagascar, l'île rouge, l'île continent, l'île de la biodiversité, l'île paradis, la grande île, les superlatifs ne manquent pas. Les uns reviennent émerveillés, mais nous ne rêvons que d'y partir. Tuléa est la destination obligée à qui veut gagner les plages du sud comme Anakao ou Ifat. Et c'est autour de son grand marché que la ville s'anime. Je vous laisse déambuler au milieu de tous ces sourires et de toutes ces couleurs. Ici, c'est un peu comme à la Samaritaine. On trouve de tout. Anakao est situé à 40 km au sud de Tuléar. C'est le village des pêcheurs Veil. L'accès par la route demande à peu près une journée de piste très difficile. Aussi, l'équipe a décidé de s'y rendre en bateau. Mais pour rejoindre ce bateau, le moyen le plus sûr est le 4x4 de la mer, la charrette à zèle. Autre grand moment, c'est de passer de la charrette à zébu dans le bateau. Et sans tomber dans l'eau, bien sûr. Débarquement sur la plage. Quelques aides pour porter nos valises. Une plage idyllique. Les bungalows s'ouvrent sur la plage de sable blanc. Un lieu magique. Anakao, qui signifie votre enfant en dialecte sud-ouest malgache, est le plus grand village du groupe ethnique pêcheur nomade appelé Vezo. Chaque matin au réveil, une centaine de pirogues ornent le bord de la mer avec une belle plage de sable blanc pour donner tout son charme et tout son sens au village. Dans ce coin de l'île, où le temps semble s'être arrêté il y a quelques décennies, se regroupent quelques 1500 vaisseaux sédentarisés. Et quant à l'équipe, il est minuit. Et comme tout bon français, il est temps de chercher à nous restaurer. Chez Clovis, une petite gargote gâche au bord de la mer nous interpelle. Mérou, oursin, rouget, tout ça à peine sorti de l'eau, un vrai régal. Couper en deux. Il est 15h et maintenant les pêcheurs rentrent.
et c'est l'effervescence sur la plage. Petit poisson, oui. On mange ça avec quoi? Frit, Oui. Frit, cuit. Après le partage du poisson, les femmes de pêcheurs troquent leur pêche avec quelques légumes apportés par les paysans du coin. Ici, il n'y a pas d'argent qui circule. Je vous laisse admirer ce marché improvisé et coloré. À côté de ce village, une mer immense à laquelle est tournée la population Vezo. L'océan constitue, pour ce groupe de Sud malgaches, une source de vie relativement intarissable. Voilà, notre journée s'achève avec ses beaux sourires. Demain, nous reprenons le bateau pour rejoindre Tuléar. Tout le monde regagne sa case. Nous allons en faire de même avec des souvenirs plein la tête. Voilà. Nous sommes de retour à Tuléar. Les charrettes font la course pour être les premiers au bateau. Débarquement des valises. Débarquement des passagers. Et retour sur la terre ferme où nous allons rejoindre Touli et Eri qui nous attendent à l'embarcadère. La gare routière de Tuléar et comment transporter un maximum de marchandises et de passagers dans un espace limité. Ici, c'est un peu la ruée vers l'ouest de Madagascar. Ce village a été créé de toutes pièces par les chercheurs de sa fille. Leur espoir, c'est de trouver la pierre rare qui leur permettra de vivre des jours meilleurs. Bonne chance les amis.
Merci qui? Papa, donne-moi des bonbons. Merci, Michel. C'est pas bonbon. Non, il n'y a pas bonbon. Les spectaculaires tsengi du Bémara ont été classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990. Ces formations géologiques remontent à la séparation de la grande île de la plaque africaine, il y a environ 160 millions d'années. À nous les Tsing, harnais, baudriers, cordes, nous sommes prêts à attaquer la montée. Petit spectacle vu du fond. Ça va pas faire ici ? Moi ici c'est les cathédrales. Certes, la découverte des grands Tsing n'est pas de tout repos. Mais avec une bonne condition physique, en suivant scrupuleusement les recommandations de votre guide, de l'eau, un chapeau, une paire de lunettes, une bonne paire de chaussures, quelques fruits pour le petit coup de pompe de mi-parcours, la découverte des grands Tsing est très faisable. La preuve, nous y sommes arrivés. Oui, nous nous sentons bien petits au pied de ces immenses cathédrales de pierre. Plus nous approchons du sommet, au plus nous sommes émerveillés par le spectacle. Nous oublions toute fatigue. Voilà, nous sommes arrivés au sommet, mais mieux que des paroles, regardez. Alors, quelle impression? Superbe. En route, on achète quelques patates douces et des arachides. Ici, des kilomètres de route sans voiture, mais avec beaucoup de zébus. C'est en effet la route de la transhumance et des troupeaux énormes se déplacent vers les grands marchés d'Ambalavao et de Tanzanie.